L'atelier d'aujourd'hui est un atelier de lancement d'un cadre stratégique de coordination et d'harmonisation des interventions en cas de masse, mais plus précisément dans les zones fragiles. Vous êtes sans savoir que l'ANRAC a cette mission qu'elle déroule sur le terrain depuis plusieurs années. Et nous sommes partis de la remarque selon laquelle il y a beaucoup d'intervenants, notamment les projets programmes publics et les ONG qui interviennent sur le terrain dans les zones fragiles pour accompagner les populations retournées, mais aussi pour apporter des infrastructures socio-économiques de base et soulager les préoccupations des populations. Le constat sur le terrain est fait et il en est ressorti qu'il y a un défaut d'articulation et de coordination de ces interventions-là, puisque le plus souvent du temps, elles sont concentrées dans un même endroit avec des paquets de services différents. Donc les acteurs interviennent, chacun avec son programme, chacun avec sa stratégie, chacun avec sa démarche, chacun avec son paquet de services, sans pour autant savoir ce que fait l'autre acteur dans la même zone ou en dehors de cette zone. Nous avons pensé qu'il serait bien, au moment où le contexte aujourd'hui de sécurité est favorable, mobiliser l'ensemble des projets pour le programme public de l'État, mobiliser également les partenaires techniques et financiers et les coopérations pour que nous puissions ensemble nous accorder sur la mise en place d'un cadre stratégique de coordination qui va se réunir à chaque semestre pour évaluer ce qui se fait dans les zones afin d'évaluer, d'éviter les duplications des efforts et de mieux articuler nos interventions et d'orienter les interventions des partenaires en direction des cibles prioritaires, puisque le besoin se fait sentir sur le terrain.